Jeudi, c'est vendredi 29 novembre. Moi, salut les amis, et je suis content pour commencer avec vous. Ensemble, pour nous mettre fin avec l'étude de l'école sabbat que nous avons fait durant la semaine. Je m'en rappelle, l'étude c'est numéro 9, la source de vie. Mais quant à jeudi, nous allons voir ensemble réflexion avancée. Bien avant même que nous entrions dans la prochaine étude pour journée, on nous prie. Nous remercions l'Éternel, notre Père et notre Dieu, pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça encore continuer à réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous avez aujourd'hui pour que nous soyons capables de jeter un coup d'œil sur ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons au bon Père que vous soyez avec nous, aidez-nous à comprendre l'instruction sérieuse et mettez-la en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, je félicite et vous encourage pour ensemble d'efforts que vous avez sortis jour après jour pour être capable d'étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études dans l'école du sabbat. Et je vous rappelle, chaque fois que vous finissez d'étudier, plaisir, pam, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver à étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, ce maintenant, nous avons abordé ensemble et nous vient sujet nous dans le guide d'études pour le trimestre. Là. La source de vie, c'était thème semaine. Verset à mémoriser, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Eh bien, son étude, encore une fois, qui était chita basée, centrée sur Jésus. Et nous, Jésus comme étant la source de vie. Et si nous avons besoin de gagner la vie, bien, nous avons besoin d'attacher avec source ça, qui c'est Jésus. Parce que la Bible fait nous comprendre. Et surtout dans le livre Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous, dans le cause de ça, Jésus, en tant que Dieu, il est capable de bailler la vie, il est capable de reprendre la vie. Il est capable de bailler la vie avec le monde qu'il veut, parce que dans lui-même, eh bien, gagner la vie. Et il a parlé de la vie que Jésus est capable de bailler là. C'est la vie éternelle. OK? Notez, ouais, il était venu sur la terre. C'est pour que moi-même, ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Et notez, ouais, et yon conversation qui était entre Jésus avec les disciples. Et yon pile l'autre monde qui t'a suivi Jésus. Et puis Jésus était venu entrer dans une conversation. Et pendant la montrer, yon monde. Eh bien, qui a projeté lui, il y a des gens qui pas croient dans lui. Eh bien, il y a plein de monde qui a suivi lui. Eh bien, monde ça yo, eh bien, il pas fait appel avec eux dans le sens que parce qu'il y a plein de monde qui a suivi lui, mais monde ça yo, il y a intérêt personnel yo. Mais c'est parce qu'il voulait suivre Jésus, c'est parce que Jésus a bien mangé la fait guérison. Eh bien, il suit Jésus pour être capable de bénéficier quelques avantages terrestres, mais il pas suivre Jésus comme étant de vrai disciple. Et ça fait Jésus t'apprend ouvrir une conversation et après conversation ça grand pile et ben qui te laisser Jésus qui pas suivre lui encore et t'as pas le Jésus t'as pas demandé ensemble avec les 12 pour qui ça même y aurait été et puis t'as pas répondre Jésus pour dire nous pas que côté nous aller parce que ou même ou gagner et ben parole et ben la vie éternelle là c'est-à-dire nous c'est dans Jésus qui gagne la vie Pierre dit pas aller à ce côté parce qu'il a et bien gagner la vie. Notez ouais également et bien ça nous relie la foi, ça nous relie nouvelle naissance. OK, la foi permet nous croire dans Jésus. OK, la foi permet que même ensemble avec vous nous capable gagner la vie éternelle. C'est-à-dire nous à travers étude semaine nous gain bagaille nous pas pour mais nous juste accepter le par la foi parce que nous pas là dans l'époque Jésus. OK, ça pas empêcher que nous croyons dans ça qui est écrit. De même, eh bien tout pays je dis a une propre histoire yo, qui en pile nous qui pas là, il y a des histoires qui écrit eh bien des années, des centaines d'années ou bien des millénaires même avant que nous-mêmes nous venions à l'existence, avant que nous venions apprendre, mais ça pas empêcher que nous croyons là-dedans. En pile fois il y a monde qui pas veut croire dans la Bible. Et parce que dit ces paroles mon écrit pendant ce temps il y a quoi dans un pile l'autre écrit l'autre et nous avons également il y a un pile monde qui rejette Jésus comme étant source de la vie
là où j'étais Jésus, eh bien, qui c'est lumière, c'est dans ténèbres où elle marche, c'est dans fait noir ou même où y est. Et ça fait lien important pour que moi, ensemble avec vous, nous connaissions la parole. Parce que il y a un peu de monde qui rejette Jésus, c'est parce qu'il n'a pas pris du temps pour apprendre connaître la parole de Dieu. Il y a un tout qui connaît la parole, mais il y a un doute à propos de la parole. Et ça fait, le monde qui pas croit en Jésus, leur rejeter Jésus, eh bien, ou rejeter la lumière, eh bien, ou rejeter lui en tant que père de vie, ou rejeter lui en tant que toute sa liée, ça veut une cause ou tomber en bas condamnation. Là, ça, c'est pas Jésus qui condamne ou non, c'est pas lui-même qui juge ou, mais c'est vous-même qui jugez tête ou, parce que ou pas croit dans Christ comme étant le Sauveur, ou pas croit dans lui comme étant le Messie. C'est-à-dire, une fois rejeté Jésus, eh bien, ou rejeté tout ça, nous relève la vie éternelle. Jeudi, c'est vendredi 29. Et réflexion avancée, c'est thème aujourd'hui. Souviens ouvrage ça, qui c'est Jésus-Christ, vous pouvez lire deux chapitres. C'est Dieu avec nous, dans page 9 à 17, et puis Controverse, dans page 596 à 606. Songez ouvrage là, c'est Jésus-Christ, ça a aidé ou. Il y a une idée qui est plus large de ça qui t'a discuté dans l'étude de la semaine. Et bien, lorsque Christ lui-même est imbécile pour venir faire le même genre ensemble avec nous, pour venir dans le corps humain, même genre avec nous, Christ t'a manifesté un caractère qui est opposé avec Satan. Il descend encore plus bas sur le sentier de l'humiliation. Après, il finit trouver une situation d'un homme, et bien, il est imbécile. Et lui-même, lorsqu'il vient, fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Eh bien, tel le souverain sacrificateur qui déposait son riche vêtement pontifical pour officier dans l'habit de lin du simple sacrificateur. Eh bien, le Christ, lui prend forme de son serviteur et lui offre un sacrifice à la fois sacrificateur et victime. Il a été meurtri à cause de nos péchés. Brisé à cause de nos iniquités, eh bien, châtiment qui ban nous la paix, eh bien, c'est sur Jésus qu'il est tombé. Eh bien, Christ est traité selon mérite nous, pour que nous soyons capables de traiter selon pour mérite lui. Il était condamné, eh bien, pour péché nous, pour que nous-mêmes nous capables participer, pour que nous capables de bénéficier de la justice, c'est-à-dire pour que nous capables justifier par justice lui. OK? Il y a une justice côté nous-mêmes, eh bien, nous pas de participer. Les souffrir, qui c'était souffrance par nous, pour que nous soyons capables de recevoir, eh bien, grâce. Les. OK? Les prend tout ça qui t'a dû venir pour nous, comme châtiment, eh bien, les charger tout, eh bien, sous dos, les ramasser tout pour nous, d'une façon. Pour que la vie éternelle nous soit capable de garantir. Parce que m'a rappelé notre thème semaine, c'est la source de vie. Jésus, en tant que source de vie, eh bien, il prend tout châtiment, il prend tout péché, il prend toute iniquité, il charge le soleil d'une façon pour que nous-mêmes, ensemble avec vous, nous capables de gagner la vie éternelle. Et nous, c'est par symétrie sûre que nous avons la guérison. C'est-à-dire, c'est à travers tout ça, Jésus, il fait pour nous. Qui n'est pas capable de jouer la guérison. En nous faisant une discussion ensemble. Jésus a tant donné pour sauver le monde. Selon vous, quels sont les meilleurs moyens d'aider les autres à voir cette vérité et à venir à lui par la foi? Eh bien, qui meilleur moyen? Parce que qui meilleur moyen nous capable de gagner et pour aider l'autre monde, il est capable multiple. OK? Moyen capable multiple et premièrement c'est nous-mêmes faut que nous vivions tant que chrétiens. C'est-à-dire témoignage nous. OK, je n'a vive d'où un moyen, d'où faire partie des meilleurs moyens qui gagnent pour capable aider l'autre monde à ouais vérité ça et à venir avec Jésus. En plus fois nous dit n'a servi Christ, nous c'est chrétiens, mais comportement nous témoigne différent de ça que nous avons. Comportement nous disons l'autre bagaille de nous-mêmes en tant que chrétiens. En tant que monde qui dit nous connaît bon Dieu, nous dit nous c'est serviteur bon Dieu, en plus fois, comportement nous trahit ça que nous disons. Ça fait nous dit trahit, c'est parce que, en plus fois, on apprend que c'est chrétien,
OK? Dans l'esprit, c'est chrétien, mais moun kap gado, ou, parce que un peu le monde même là yo pas chrétien, yo connaît principe chrétien yo. En quelque sorte, yo connaît en grande partie principe chrétien yo. Et bien gen jan comporté yo, et bien ou vont message aller. Et bien ou dou c'est chrétien sous la forme, mais au fond moun kap gado, yo pa ou c'est chrétien. Les ça ou pas capable ba yon bon témoignage. Et bien meilleur moyen, c'est vivre tant que chrétien. C'est vivre tant que monde qui connaît Christ et par la suite, ou a besoin de moyens pour capable influencer l'autre monde ou bien aider l'autre monde à travers la parole également parce qu'il faut qu'on témoigne Jésus avec monde qui dans entourage d'une façon yo même tout pour capable ouais et bien Jésus ça va parler à et suivre Jésus ça. Quelles sont les principales différences entre la prise de décision au niveau humain et mondain et la prise de décision sur la base de la révélation divine? Et bien en plus une fois nous ensemble avec vous nous décider pour propre tête nous. Parce que en pile fois nous pas quitter l'esprit bon Dieu dirige nous. Et bien lorsque nous quitter l'esprit bon Dieu et bien les diriger nous et bien laisser à nous prendre de bonnes décisions parce que lorsqu'on est la parole de Dieu ou quitter l'esprit bon Dieu guider vous. OK, faut qu'on quitter l'esprit bon Dieu les guider vous parce que en pile fois moi ensemble avec vous les nous pas accepter un bagage même les clés devant Dieu nous toujours fait des analyses des réflexions pour nous montrer que c'est nous-mêmes qui avons raison. Parce que en plus fois nous voulons la Bible d'accord avec ça nous gagne à penser nous mais nous pas voulons d'accord avec la pensée biblique. Comment les choses comme la logique et la raison s'accordent-elles avec la compréhension de la parole de Dieu? En plus fois logique et la raison ne pas accordées parce que il y a un peu l'analyse qu'on fait pour prouver que eh bien Bible là et li pas inspiré et que monde qui tout bon Dieu pas existé, yo toujours vienne avec on sans raison. OK, on sans d'analyse. Mais en réalité, la logique et la raison li accordé en pile fois pour capable comprendre la parole de Dieu. Et quelles raisons logiques et rationnelles avez-vous de venir à la foi? Si, généralement, les nous regarder l'univers entier, les nous regarder et bien gens toute bagarre a déroulé. Et ça qui te prédit, eh bien, nous sommes capables de faire confiance avec la Bible. Parce que nous regardons ce qui est écrit, comment il a réalisé sous yeux nous. Ça montre donc que ça qui est écrit, c'est des révélations eh bien, que nous sommes capables de faire confiance. Comment les choses comme l'accomplissement de la prophétie ou l'étonnante beauté et complexité du monde créé nous indiquent-elles logiquement et rationnellement l'existence de Dieu et la vérité du plan du salut? Eh bien, nous regardons, je viens de dire là. Et j'ai tout bagay ap déroulé présence nous et ça qui était écrit à propos de ça qu'a privé yo gen raison pour que moi-même ensemble avec vous nous capable croire que bon Dieu il existait pour nous croire que eh ben bon Dieu fait plein pour capable sauver nous et eh ben en bas malédiction péché il était avec moi-même ou même pour que nous capable croire dans parole ça. En classe, parlez de votre réponse à la question à la fin de l'étude de mardi. Sur quoi votre foi est-elle basée? Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous croyez en Jésus et aux affirmations de l'Évangile, comment ou même ou à répondre? Eh bien, nous te voyons ça pendant ce maintenant. Nous te disons ça. Nous pas là, ok? Et foi nous les centrer sur la Bible et avec expérience tout nous faire ensemble avec bon Dieu. Et si mon t'a demandé pour qui ça? Eh bien, sur qui sa foi basée? Eh bien, normalement, foi, c'est dans Jésus qu'elle est. Mais pour me connaître Jésus, je suis obligé de lire la Bible parce que la Bible, c'est source de connaissance. La Bible, c'est lui-même qui enseigne. La Bible, c'est lui-même qui est censé parler comme étant base de la foi chrétienne. C'est-à-dire, c'est à travers la Bible, je connais ce que bon Dieu lui-même a réalisé dans le temps et sans qu'elle ait gagné pour le faire pour moi. Dans la suite des temps. OK? Et bien, si un monde t'a demandé pour qui ça ou quoi dans Jésus et pour qui ça ou quoi dans l'Évangile, pour comment t'as répondu? Eh bien, je crois dans Jésus parce que je ne sais dis non, la Bible dit, mais qui ça Jésus fait pour moi? Mais qui ça le cas fait pour moi? Et mais qui ça tout le gain pour faire pour moi? C'est-à-dire, tout ça, eh bien, l'engarder, eh bien, ça qui écrit, non seulement ça, Jésus capable faire dans la vie nous transformation qu'il capable porter espérance qu'il va nous
Mais nous garder tout, eh bien, ça, t'es fait dans le temps. Eh bien, tout ça, c'est moi qui pour capable aider moi ensemble avec vous. Eh bien, connaît pour qui ça, eh bien, nous croyons dans Jésus. Et faut que nous croyons tout, nous pas qu'à crier tête nous. Parce que nous avons origine, nous avons côté nous sorti, nous pas qu'à mener tête nous là, c'est ça qui fait, eh bien, nous-mêmes, nous devons croire dans Jésus ça. Réflexion avancée, c'est portion ça que nous avons ensemble aujourd'hui, mais je vous rappelle que ce maintenant, étude là, c'est numéro 9, la source de vie. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour l'enseignement ça que vous avez pour nous. Merci pour Jésus et que vous avez nous pour capable garantir la vie éternelle. Nous. Et pour que nous soyons capables de croire chaque jour dans la parole et mettre en application. Nous pas de mérite concernant pour nous, Jésus. Amen. Vous avez déjà un petit tour, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.